Cette année, c'est la promotion Albert Jacquard. Jérémy, tu me demandes pourquoi j'ai choisi pour cette année 2021 Albert Jacquard. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai choisi des personnes qui ont un message fort, au sens même militant, hein, de réflexion, de non-servitude, et encore moins de servilité. Albert Jacquard, c'est aussi un choix militant pour représenter ce qu'est l'esprit de fraternité et aussi de solidarité, donc, et aussi un choix sur une réflexion par rapport à une organisation, l'organisation de la société. C'est-à-dire qu'Albert Jacquard a parlé de l'éducation, il a parlé de la manière de vivre ensemble en étant respectueux des droits de tous. J'aimerais revenir sur un point, c'est celui de la pédagogie. La pédagogie, bien sûr, quand on va former des jeunes qui vont être les futures générations de notre société humaine, bien, on les forme et on les conditionne, on les préconditionne, sans forcément s'en rendre compte. Et Albert Jacquard disait qu'il ne fallait pas, dans cette éducation, apporter la dynamique de la compétition dans l'apprentissage des choses. Moi, je suis un compétiteur, hein, comme beaucoup de personnes le savent, mais il y a quelque chose dont je suis certain, c'est qu'on n'enseigne pas correctement aux enfants l'envie d'apprendre, le goût de la découverte, en les mettant en compétition avec d'autres qui vont avoir des facilités pour ingurgiter des connaissances. Et ceux qui vont avoir des facilités vont avoir de bonnes notes parce qu'ils vont pouvoir restituer. Et il y a ceux qui vont avoir du mal à les restituer. Mais peut-être qu'ils les ont bien ingurgités. Mais peut-être qu'ils ne les ont pas bien ingurgités. Et là, ça serait de la faute à qui? Donc, ils ont une mauvaise note. Mais peut-être qu'en réalité, c'est l'enseignant qui n'est pas bon du tout. Et l'enseignant qui part de l'idée qu'il fait tout son possible pour enseigner à des nuls. Alors, combien de fois on le voit? Albert Jacquard avait dit, non, arrêtons la compétition par rapport à l'enseignement. Et dans ce que l'on fait en médiation professionnelle, on est dans cette même idée que les gens ne font pas exprès de ne pas savoir, ne font pas exprès de ne pas comprendre, et que c'est au médiateur de tout faire pour qu'ils puissent aider les personnes à sortir d'une situation conflictuelle dans laquelle ils sont, que les personnes puissent promouvoir et développer la qualité relationnelle. Voilà, Albert Jacquard, pour moi, c'est cette représentation éthique, moderne, philosophique, d'une personne qui est promotrice du sens de la vie, pour bien vivre ensemble. Je n'ai pas eu le plaisir de le connaître, mais j'ai eu le plaisir de le lire, et je vous invite à le découvrir. Cette année, c'est la promotion Albert Jacquard.